Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans la cinquième émission Corbeil-Essonnes en direct. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Bonsoir également à ceux qui nous retrouvent sur Facebook, sur le chat. N'hésitez pas à tout moment à laisser des commentaires, poser des questions pour le plateau. On tentera d'y répondre au maximum. Avant toute chose et avant de se présenter, je vous propose, vu qu'on a les distances à peu près proportionnelles, on n'est que quatre dans cette salle, je vous propose qu'on quitte les masques. On ne prendra pas de risques. Voilà. Parfait. Alors, nous sommes ce soir en présence, comme toutes les semaines, de Bruno Piriou. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons ce soir également Hichem Boukouba. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint au développement économique, à l'emploi et à l'apprentissage. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous avons également Pierrick Gautreau, maire adjoint à la promotion du commerce, à l'économie sociale, solidaire et circulaire. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je vous propose que l'on démarre cette émission par une petite enquête. Nous avons rencontré quelques corbeilles essonnois pour leur demander un petit peu comment ils vivaient ce confinement, ce deuxième confinement, voir un peu comment ça allait. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Le confinement, moi, ça m'a permis d'être plus proche avec mon papa. J'avais des trucs à dire, peut-être que j'avais pas dit directement. On se voyait pas trop, donc voilà. Et le fait qu'il y ait le confinement, bah, on a vidé nos sacs, hein, chacun de son côté, et ça, c'était vraiment une libération. En tant que commerçant, on se pose beaucoup de questions. Comment on va résister? Est-ce qu'on va déposer la clé sous la porte? Je me demande si je ne vais pas trouver un petit CDD dans un autre domaine. On a deux responsabilités en gros. On a notre commerce et notre maison à nourrir. On n'a pas mis les moyens au début, matériel et humain, pour contenir cette épidémie. Je suis énervé parce que moi, ce qui compte dans la vie, c'est l'humain. Et on ne peut pas jouer avec les morts, on ne peut pas jouer avec les malades, on ne peut pas jouer avec les gens qui perdent leur emploi. On voit autour de nous la mort des petits commerces, mais en même temps, on voit la grande distribution qui fonctionne. On voit la mort du sport associatif, mais en même temps, en EPS, on a le droit de pratiquer. On est face à toutes ces incohérences qui nous perturbent et qui nous amène à perdre confiance tout simplement dans le système. Alors moi, ce que j'attends de la mairie, qu'elle se repositionne par rapport à l'offre de soins actuelle. Comment est-ce qu'on peut travailler pour que les personnes puissent accéder aux soins beaucoup plus facilement et qu'il y ait un suivi, entre autres, correct par rapport à cette pandémie? Parce que là, les gens actuellement se font tester, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après quand ils sont positifs? Monsieur Pierriou, s'il vous plaît, vous pouvez dire aux gens qu'ils peuvent fabriquer un porte à côté de chez nous. Parce qu'on ne peut pas faire plus qu'une heure. Et moi, j'ai envie de jouer et parce que j'habite dans un appartement et je ne peux pas courir. Moi, ça m'a fait plaisir des fois. On m'a téléphoné de la mairie, on m'a dit, Monsieur Ramirez, est-ce que ça va? Ça m'a touché, j'étais heureux. Parce que j'ai pensé aux personnes qui sont isolées. Et c'est très bien que les gens de la mairie s'occupent de ces citoyens. Ce que j'aimerais, c'est un petit coup de boost pour les commerçants locaux, pour dire, voilà, on ne vous oublie pas, on est là, on vous soutient, même moralement, un petit coucou, on est là, ça fait chaud au cœur pour ces moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire implique une individualisation des comportements. On met son masque, on s'enferme, on ne regarde pas les autres. Comment gérer le vivre ensemble aujourd'hui en acte, par des actions, avec ces contraintes sanitaires? Bien, alors je me tourne tout de suite vers vous, Pierrick Gautreau. Et vous, j'allais vous poser la même question. Comment vivez-vous ce deuxième confinement? Bah, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de personnes de ma famille et de mes amis qui travaillent dans le domaine médical. Et du coup, on a une pensée pour tous ces infirmiers, ces médecins et ces étudiants en médecine qui sont réquisitionnés dans cette situation exceptionnelle et qui sont là pour soigner nos malades, soigner nos familles. Donc, c'est extrêmement dur. Enfin, oui, c'est dur à vivre parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de nous répondre parce qu'ils sont fatigués. On leur parle tout le temps de la même chose. C'est compliqué psychologiquement pour eux et donc pour nous, leurs proches, notamment.
D'accord. On entend d'ailleurs dans l'enquête une commerçante, j'en profite, vous êtes maire adjoint à la promotion du commerce, elle dit un petit coucou de soutien, un petit coucou moral aux commerçants. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? On est là pour ça, on a une cellule, donc le service commerce et marché, ils n'hésitent pas à écouter les commerçants, à écouter ce qu'ils demandent, et ensuite on réfléchit à ce qu'on peut mettre en œuvre pour eux. Ça, c'est important, le suivi psychologique, c'est vital pour tous les commerçants. Très bien. Hichem Boukouba, même question hein, finalement. Le coronavirus a du négatif, beaucoup de négatif, et aussi du positif. Hein. Le négatif, c'est quoi? C'est ça chamboule la vie quotidienne. Lorsqu'on va voir nos proches, on va en reculant. On les serre pas dans le bras, on les regarde à distance, bien sûr. Ensuite, lorsqu'on a l'habitude de pratiquer du sport avec tout le monde, là, c'est fini, ça nous manque. On va courir, faire un jogging, on se sent un petit peu hors la loi. Lorsqu'on s'éloigne un peu plus des 1 km, donc on ne se sent pas totalement à l'aise avec ce truc. Hein. Et ensuite, ça peut rapprocher les gens aussi. Hein. On a plus de temps pour... on travaille moins, on est plus à la maison et on profite plus de nos familles. De s'occuper de la maison, voir plus nos enfants aussi. Donc voilà. Tout ça fait que c'est sûr qu'il y a un changement de vie. Hein. Nous sommes chamboulés un peu. Voilà. Bien sûr. Bruno Pirieux. Écoutez, ce que j'ai envie de dire là, à cet instant, c'est avant le Covid, on fait partie, Hichem, Pierrick et moi-même et toute l'équipe municipale, de celles et ceux qui pensaient que déjà ça n'allait pas que bien dans la société. Hein. On pensait qu'il y avait des grands enjeux climatiques, on pensait qu'il y avait des grands enjeux anthropologiques pour qu'il y ait beaucoup plus d'égalité et de justice entre les humains. Et j'ai envie de dire que ce virus qui nous tombe dessus, ce confinement, dont pour l'instant on ne voit pas encore tout à fait la sortie, et évidemment la question du vaccin, même si elle n'est pas en soi comme ça miraculeuse, mais c'est quand même pas qu'une mauvaise nouvelle, hein, cette perspective. Nous, notre parti pris ici, c'est de dire, eh bien, parce que c'est encore un peu plus compliqué et que déjà il y avait des questions politiques lourdes, il faut que la vie continue. Il faut que la vie continue. Et le parti pris de l'équipe municipale, c'est de faire encore mieux en matière de démocratie. Et tous les jours, je me creuse la tête avec l'équipe pour voir comment le confinement ne nous fait pas perdre contact. L'émission est un des moyens, mais sincèrement, personne ne peut penser que ça suffise, même si nous faisons passer des messages, on écoute. Et ça nous permet aussi de mieux se rendre compte de ce que vivent les gens. Je donne un exemple. Moi, je suis le matin à 8h en mairie. J'en parle le soir, vous voyez, à 20h. On est toute la journée là, on travaille. J'ai l'autorisation de me déplacer. Sincèrement, je fais attention, évidemment. Hein, je dois de montrer l'exemple. Mais on travaille. On est au travail. Et donc, il n'y a pas un changement très important dans ma vie. Et du coup, il faut bien... Ça nous aide, cette émission, à ne pas perdre le contact avec la réalité de ce que vivent les gens. On va parler du commerce, des artisans aujourd'hui, du monde économique, parce que évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne dans cette période. Donc, on a la responsabilité d'être créatif, là, dans les semaines et les mois qui viennent, pour que la vie continue et inventer des choses. Et comme le dit Hichem, il faut qu'il y ait du positif dans cette affaire. Il faut qu'on invente et que le service public mette des choses en place auxquelles nous n'avions pas pensé, mais que l'exigence environnementale, humaine, solidaire, comme dit M. Ramirez dans le film, l'humain d'abord, il n'y a que ça qui compte, eh bien, il faut qu'on invente des choses aujourd'hui qui dureront après cette galère du virus. Dire un dernier mot, c'est que cette affaire est évidemment sérieuse, malgré tout, j'ai eu les chiffres là. Vous savez que nous avons mis en place, nous l'avions annoncé lors d'une précédente émission, du dépistage qui se déroule à Charlottes-en-Sarre, donc le pôle senior dans les allées Aristide-Briand qui a commencé. Eh bien, sur par exemple hier,
223 tests Covid qui ont été effectués, 24 étaient positifs, soit 12%. C'est-à-dire que voilà, l'épidémie est encore là. Je discutais avec mes collaborateurs il y a quelques instants. Il y a une crainte réelle d'attraper ce virus. Hein. Il y a une crainte réelle. Et donc, il faut tout à la fois faire en sorte de protéger les habitants. Et en même temps, je le dis, que la vie continue. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui pour les commerçants et les artisans. D'accord, donc il faut apprendre à vivre avec ce virus finalement et s'adapter. Vous parliez d'ailleurs d'être innovant et d'avoir des idées. On voit dans les commentaires quelqu'un qui propose pour les livreurs notamment, parce que donc, cette pandémie a mis un petit peu en avant ce travail-là, qui propose une coopérative qui soit en quelque sorte en concurrence avec Uber Eats, si j'ai bien lu. Je me permets aussi d'ajouter, parce qu'à la première émission, on en parlait avec M. Michel Nouaille, sur les personnes qui seraient volontaires pour porter candidature, pour travailler donc, dans les cantines. Et donc, quelqu'un nous dit, Kevin, bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal d'avoir déposé ma candidature pour du travail à la mairie ou dans les cantines à plusieurs personnes différentes de la mairie, toujours pas de réponse. Alors, écoutez, d'abord, c'est bien qu'ils le disent. On a reçu beaucoup d'appels de bénévoles. On essaie de répondre. Il faut peut-être qu'il nous redonne sur le chat son nom ou qu'il envoie qu'il rappelle au numéro qu'on donnera tout à l'heure pour qu'il réponde. On a aussi fait un gros travail de redéploiement des agents municipaux, ce qui fait qu'on a pu assurer, par exemple, l'aide alimentaire. On en a beaucoup parlé, je ne le redis pas, mais elle continue. Et je remercie les agents municipaux qui sont sortis de leur travail habituel, pour lesquels parfois, d'ailleurs, je pense aux maisons de quartier, elles étaient pour une part fermées, et qui se sont rendus bénévoles pour aider nos services nouveaux. Mais voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas été contactées, c'est qu'aussi peut-être qu'il y a eu beaucoup de demandes, nos agents municipaux, mais il faut que chacun puisse participer à l'aidant de solidarité. Et donc, il redonne son numéro, peut-être même à mon secrétariat, demain en téléphonant et demander mon cabinet, et on contactera cette personne. Voilà. Très bien, ce sera fait. Alors, sans transition, mardi dernier, nous sommes allés sur le marché du centre-ville pour voir un peu comment ça se déroulait, le marché à Corbeil-Essonnes en plein confinement. Extra pas cher, 2 melons 1,50€, attendez, un 2 melons 1,50€, c'est un extra. S'il n'y avait pas de Covid, on travaillerait mieux. Les gens auraient plus de liberté de venir au marché. Tout le monde n'a pas envie de remplir l'attestation, de sortir, de se prendre 135€ si je n'ai pas fait l'attestation. Vivement le vaccin, soi-disant qu'il y a plein de vaccins qui arrivent. Donc, les retours des clients, oui, on en a. Mais on remercie qu'on soit là, qu'on est ouvert. J'habite pas loin du marché, de l'autre côté du pont, rive droite. Et je fais mon marché tous les mardis et vendredis. J'ai vu ce confinement comme le premier, quoi, aussi péniblement, mais enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même le marché. Donc ça, c'est une respiration quand même. Est-ce que vous pensez que les dispositifs qui ont été mis en place vous semblent corrects? Oui, on peut se laver les mains quand on rentre, il faut apporter le masque, mais ça c'est évident, c'est normal. Du moment que le marché est ouvert, tout quoi, je veux bien mettre un masque, un casque, des bottes, des gants. C'est un endroit convivial le marché, il faut pouvoir se retrouver. Vas-y, je parle un peu à toi, hein. Avec ouais. Ça madame. 1,19€ s'il vous plaît. Ah, on est dans une situation dangereuse. On sert les clients pour la monnaie, l'argent, tout ça. On donne les sacs. On est en contact avec les gens. Normalement, c'est nous qui servons, mais on a mis les films. Pas qu'eux ils touchent, mais c'est eux qui servent. En plus, ils ne veulent pas qu'on les serve. Avant le confinement, tout ça, c'était eux. En plus, on rentre à la maison. Même si notre famille est en confinement, ça me fait peur parce que dès qu'on rentre à la maison, il y a les enfants, tout ça. On ramène le virus à la maison, donc quoi. Merci à vous. Bien, je me tourne tout de suite vers vous, Pierrick Gautreau. Alors, avant de vous proposer de réagir, on a Lily Gourmandise, qui est très fidèle à l'émission, qui nous propose, elle dit, je trouve cela dommage que suite à la crise sanitaire actuelle, certains commerçants du marché de Corbeil ne peuvent pas travailler car non alimentaires. Nous côtoyons depuis de nombreuses années de petits commerçants et nous ne trouvons malheureusement nulle part leurs coordonnées. Un groupe sur Facebook a été créé, mais le constat
que nous ne retrouvons pas tout le monde malheureusement. C'est bien dommage pour eux. Que pouvez-vous faire pour venir en aide? Elle propose, si j'ai bien compris, un groupe Facebook qui puisse mettre en relation ou lister les coordonnées parce que, voilà, je vous laisse réagir. En fait, ça me permet tout simplement de dire ce que la commune a mis en place. La commune a mis en place, en fait, une plateforme pour aider les commerçants, les entrepreneurs à se faire référencer. Donc, on vous invite à vous inscrire. C'est sur le site de la ville, donc www.corbeil-essonne.fr. Les commerçants vont trouver un lien qui leur renvoie vers un formulaire à remplir. Les questions sont assez simples. On leur demande le nom de l'enseigne, où elle se situe et comment, si elle continue à ouvrir, parce qu'il y en a qui ouvrent encore, les boulangeries par exemple ouvrent encore, et également ceux qui sont mis au click and collect ou au drive. Et donc on leur demande leurs coordonnées, et une fois que les commerçants ont rempli ce formulaire, ils se retrouvent sur le site internet de la ville, dans des onglets différenciés. Donc je pense qu'on a la vidéo. Oui, alors on peut en effet montrer de quoi il s'agit pour que vous compreniez bien donc comment ça fonctionne. Donc il suffit, je crois, d'aller sur le site de la ville. Voilà. Soutenez vos commerçants et je vous laisse prendre la suite. Donc là, voilà, vous avez devant vous soutenez vos commerçants. Donc c'est sur ce lien-là qu'il faut cliquer pour ensuite se retrouver face à ce qui a été mis en ligne hier après-midi. C'est un système de géolocalisation. C'est-à-dire qu'avec un smartphone ou un ordinateur, on peut trouver les commerçants à proximité de nous. Donc déjà, c'est plus facile de trouver les commerçants à proximité. Ensuite, là, voilà, on vous montre où est le formulaire pour se faire recenser. Donc on vous a simulé une situation. Donc par exemple, des nominations sociales, on a mis librairie. Voilà. Surtout si vous avez du mal à remplir ce formulaire, n'hésitez pas à appeler le service commerce et marché qui est au 01 60 89 70 26. Donc je le répète, voilà, 01 60 89 70 26. Si vous avez un problème informatique, si vous avez un problème de compréhension, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider à remplir ce formulaire. Également à vous soutenir psychologiquement, comme on en parlait tout à l'heure. Et aussi, on peut dire aussi, on a des chiffres, hein, sur cette page-là, par exemple, commerçants, faites-vous connaître. Sur la page de la ville, cette page a été vue 662 fois. Attends, on a eu 662 visites en sur cette page. Du 5 au 16 novembre. D'accord. Donc, à peu près 10 jours, une dizaine de jours. Donc, ça, c'était la semaine dernière. On attendait à voir les chiffres cette semaine. Sur Facebook, la page a été vue, 3600 vues. Donc ça montre vraiment l'intérêt. Alors, l'info est bien passée pour les commerçants. Pas tous, malheureusement. Jusqu'à maintenant, nous avons combien de commerçants? On a 250 commerçants qui sont référencés sur le système de géolocalisation dont je viens de parler. Il faut savoir que le service commerce et marché est en train d'appeler les autres qui n'ont pas encore l'information. On a également demandé à des agents communaux d'aller donner l'information directement aux commerçants. Et il y a également les informations qui sont disponibles sur les panneaux lumineux. Très bien. Et j'ajoute Lily Gourmandise qui nous fait part de ce fameux Facebook qui existe déjà, en fait. J'avais mal compris, qui s'appelle « Hashtag commerçants en détresse ». D'accord. Est-ce que c'est spécifié Corbeil-Essonne ou c'est en général? Je présume que oui. Mais je ne peux pas trop m'avancer. En tout cas, nous, ce qu'on dit ce soir, c'est que vraiment les habitants de Corbeil, d'abord donc, les commerçants qui se référencent sur le site, et aussi les habitants qui, pour soutenir les commerçants, aillent faire leurs courses, qui privilégient les commerces de proximité. Donc ça, c'est une forme de solidarité des habitants envers leurs commerçants. Voilà. Donc, pour répondre à... j'ai oublié le nom. Lily Gourmandise. nous avons ajouté en début de semaine un onglet marché alimentaire ou marché, je ne me rappelle plus exactement du nom, pour justement référencer tous les marchands qui ont mis un système de click and collect. Ça veut dire que donc on a toujours les commerçants alimentaires qui sont sur le marché, dont on a.
qui doivent continuer d'avoir ces gestes sanitaires pour éviter que la pandémie ne reprenne. Mais tous ceux qui ne peuvent plus venir au marché, eux, il y en a beaucoup qui font encore du click and collect et ils viennent d'être ajoutés au site internet sur cet onglet-là. C'est quoi le click and collect ? Le click and collect, en fait, c'est aller sur le site internet du marchand en question, choisir toujours sur internet avec son site web les produits que l'on veut acheter et ensuite se donner un point de rendez-vous pour échanger la marchandise avec le commerçant directement. Justement, par rapport au click and collect, cette technologie n'était pas très développée jusqu'à maintenant. Mais avec maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs qui proposent ce service-là aux commerçants. Et donc, c'est un service, c'est créer un mini-site internet pour le commerçant qui va référencer tous ses produits. Pour les restaurateurs, eux connaissent déjà le système via Uber Eats, Deliveroo, les choses comme ça. Les restaurateurs connaissent déjà le système. Par contre, les autres commerçants, eux, en plus, ils sont contre d'être fermés. Par exemple, Miss Rachel, par exemple. Si elle doit référencer des produits phares qu'elle vend le plus souvent, par exemple, elle peut le faire, créer son site de Click and Collect. D'accord. On a une question, pardon, sur le chat qui me semble intéressante à aborder. Masque Livraison nous dit « Tous les commerçants n'ont pas une connaissance de l'utilisation d'Internet ». Et j'entends qu'on parle beaucoup d'Internet. Alors, comment on s'y prend ? Par rapport à la permanence, voilà. On a eu une réunion de travail avec... les élus, les services, pour se creuser la tête pour être le plus utile possible. Et c'est ce que je disais, la vie continue, on a un devoir d'invention et de changer notre service public. On a aujourd'hui, à l'hôtel de ville, c'est l'un des rares services qui est à l'hôtel de ville et pas au nouveau centre administratif, on a notre service commerce qui est dirigé par Audrey Vernet, qui est agent de la ville et qui dirige de façon très énergique ce service d'aide aux commerçants. Et on se disait que, voilà, sans qu'il faille que tout le monde afflue d'un seul coup à l'hôtel de ville, mais il faut qu'on se remette en cause et qu'on puisse proposer en présentiel, en pouvant aller discuter avec son masque, etc., avec nos agents pour se faire aider. Et on se disait, c'est vrai que tous les commerçants ne prennent pas le temps d'aller sur Internet ou de... voilà, et qu'il y a besoin d'un contact direct. Et on souhaite que l'accueil du public des commerçants puisse monter un peu en puissance, voire même, et c'est des services que nous pourrions faire perdurer après le Covid, au-delà de nos agents qui sont évidemment compétents pour aider les commerçants, avoir des permanences de la Chambre de commerce et d'industrie, de temps en temps donc à l'hôtel de ville, des permanences de la Chambre des métiers, demander à des experts comptables qui viendraient aider en discutant, c'est toujours mieux que des fois avec son ordinateur et des sites un peu compliqués, toutes les aides qui existent aujourd'hui pour venir en aide ou les prêts, etc. Et que à la ville de Corbeil-Essonnes, à l'hôtel de ville, eh bien, on déploie des moyens humains nouveaux pour que les commerçants puissent avoir des réponses en direct en se rendant donc à l'hôtel de ville. Donc on va mettre en place cela dans l'urgence là comme on peut pour faire face au confinement, mais sûrement un nouveau service public porté par nos deux élus, plus dynamique encore pour avoir l'échange et le dialogue avec les commerçants. Très bien. Dernière question du chat pour le moment, mais on a une fleuriste qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois, Leïla, elle s'appelle. Elle demande, est-ce que la ville va intervenir sur nos bailleurs pour que les loyers du mois de novembre, pour les loyers du mois de novembre, pardon. Merci de votre retour. Écoutez, en tout cas, bonjour d'abord à notre amie fleuriste. C'est une question je pense que la parole du maire, des adjoints, de la municipalité, elle peut être utile pour mettre de l'huile dans le dialogue entre les propriétaires et nos locataires. Et moi, je comprends que il faut que l'effort de solidarité, comme vous disiez, tout le monde y participe, quoi. Nous, on prend notre part parce qu'il y a un service public qui se déploie qui n'était pas tout à fait prévu à cet effet. On le fait. Je crois qu'il y a des propriétaires qui ne seront pas trop en difficulté à la fin du mois s'ils aident des commerçants qui, eux, risquent de vraiment prendre le bouillon. Donc, je le dis en direct, si des commerçants souhaitent que...
on intervienne auprès de leur propriétaire, qu'ils se fassent connaître auprès du numéro de téléphone qu'on peut remettre, parce que voilà, c'est pratique en direct. Téléphonez à ce numéro, prenez contact avec nos deux élus, Pierrick et Hichem, merci pour le numéro de téléphone. Ce sont des élus de terrain qui vont en permanence voir les commerçants. Et donc, donnez-nous les coordonnées des propriétaires. Moi, je m'engage à ce qu'on fasse. Et surtout, voilà. Alors, si je dois ajouter quelque chose par rapport à cette question, c'est dans le cadre de la loi, parce qu'au premier confinement, les commerçants, il y avait toute une batterie d'aides qui était prévue. Au deuxième confinement, non seulement il y a des aides, mais elles sont renforcées, dont justement la question des loyers. Mmh. Au premier confinement, c'était pas très clair. Là, c'est noir sur blanc que les bailleurs peuvent laisser, on va dire, des gratuités de loyer. Exonérer des... En contrepartie, eux seront exonérés d'impôts. Mmh. Donc, c'est l'État qui met ce dispositif-là. Et donc, pareil, toutes ces questions pour rentrer dans les détails des choses, il faudrait prendre rendez-vous, se déplacer. Mmh. Nous ne sommes pas experts, bien sûr, nous ne sommes pas experts pour répondre exactement à ces questions, mais tout ça existe. Voilà, se rendre, téléphoner, on peut avoir des éléments de réponse. Se rendre à l'hôtel de ville, voir toutes les aides, enfin tout ça, on peut le retrouver sur le site internet de la ville aussi. Exactement. Ou en cliquant sur ce que tu proposais tout à l'heure, on peut avoir connaissance de ces aides. Je connais plein de commerçants lors du premier confinement qui sont passés à côté d'aides, par exemple les auto-entrepreneurs, 1 500 €, etc., tout simplement parce qu'ils ne le savaient pas. Et donc, on a un devoir, nous, la commune, de relayer toutes ces informations. C'est ce qu'on met en place avec le téléphone, le site de la ville et notre service commerce à l'hôtel de ville. Alors, aujourd'hui, moi, je vous parle en tant que commerçant moi-même. Surtout, ne pas hésiter à solliciter ces aides. Comme vous dites, parfois on a la tête dans le guidon, on ne fait pas les choses et ensuite on passe d'à côté des aides. Par exemple, aujourd'hui, je vois sur le deuxième confinement, l'État peut aider jusqu'à 10 000 € les personnes. Donc, je n'ai pas les détails des opérations, mm-hmm. mais ça existe. Mm-hmm. Donc, on a toute une batterie d'aides. Là, je peux en citer quelques-unes. Donc, on a des aides directes, voilà, jusqu'à 10 000 €. Nous avons l'URSSAF, qu'on ne payera pas les charges d'URSSAF. On peut étaler les impôts, on paye plusieurs fois nos impôts des entreprises. Donc les loyers par rapport aux bailleurs, les bailleurs peuvent laisser des loyers gratuits en contrepartie, eux ils payeraient moins d'impôts. Le chômage partiel, c'est-à-dire c'est l'État qui prend en charge le salaire des personnes. Tout ça, voilà. Et ensuite, une chose importante aussi qui est nouveau, par exemple, pour créer un site internet Click and Collect, nous avons avec la région jusqu'à 1 500 €. Ils appellent ça un chèque numérique pour pouvoir créer, pour payer l'entreprise qui crée le site internet. Voilà. D'accord. Bon. Très bien. Il y a une question qu'on pourrait se poser à cette occasion. On parle des aides de l'État, on parle du commerce. Finalement, c'est relativement nouveau que le maire, les élus, une ville en général, soit impliqué sur les commerces, parce que vous n'êtes pas patron des commerces, finalement, mmh. vous êtes patron de la ville. C'est relativement nouveau que finalement, vous... Ouais. C'est des questions nouvelles, c'est que... imaginez Corbeil-Essonne sans ses bars où on aime se retrouver, sans ses commerçants de tout genre, d'ailleurs, hein, on en verra, on en écoutera tout à l'heure. Quelle ville triste, et on l'a vécu d'ailleurs lors du premier confinement, il était temps que ça se termine. Et donc, il y a sûrement une prise de conscience dans notre pays, et moi je trouve que c'est bien qu'il y a des règles entre le service public, le monde du privé, il y a des lois qui ont constitué notre pays sur la liberté du commerce et de l'industrie, mais aussi sur le fait que tout le monde doit être égal devant ce que la société propose. Donc on a une société qui est quand même assez structurée d'un point de vue législatif, et la commune, c'est un révélateur de ce que nous sommes en train de vivre. La commune, elle s'occupe de tout ce qui est commun, tout ce qui est commun. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de dire non, le commerce est privé, on ne s'en occupe pas. C'est évident. On a eu la commission des marchés hier avec vous, là, les élus, justement pour les commerces, les marchés de Corbeil-Essonne. On est très, très réveillés pour que nos marchés continuent, voire accueillent de nouveaux commerçants. Et donc voilà, ça fait partie du bien commun de la ville que d'avoir ces commerçants que nous soutenons, que nous aimons. On est très contents d'aller chez eux. Et aujourd'hui, je finirai là-dessus, le commerçant que
d'aujourd'hui n'est pas celui de l'imaginaire d'il y a 40 ans, où on pensait que tous les commerçants étaient très très riches, etc. On voit que dans cette période difficile, non seulement ils ne sont pas riches, mais certains risquent de mettre la clé sous la porte. C'est donc de notre responsabilité politique au sens de la vie de la cité que de se rapprocher d'eux et de tout faire pour les aider. Voilà. D'ailleurs, c'est une question qui a beaucoup été abordée hein, lors des concertations Imagine Corbeil-Essonne, qui a débuté et qui reprendra dès que possible. Les habitants se posent énormément de questions sur leur commerce de centre-ville. Et bah, leur c'est aussi, un dernier mot, mais un révélateur, on revient des grands centres commerciaux, quoi. Sincèrement, on a un énorme chantier devant nous à Corbeil-Essonne qui est la rénovation de notre centre-ville. Eh bien, voilà, ça va être un des marqueurs. Nous allons réfléchir à la refonte de notre centre-ville pour qu'elle puisse réaccueillir de nombreux commerces dans cette ville qui a été l'une des plus grandes villes commerçantes à 40 km au sud de Paris. Eh bien, on revient vers le commerce de proximité. Je ne jette pas la pierre aux grandes surfaces, mais sincèrement, je préfère des dizaines et des dizaines de commerces de proximité à Corbeil-Essonne à offrir aux habitants que les grandes surfaces qui abondent dans notre département de l'Essonne. Quoi. Voilà. Et partout en France, je crois. Et partout en France, mais on a un peu le pompon dans l'Essonne. On est le deuxième département français pour le nombre de grandes surfaces par rapport au nombre d'habitants. Donc voilà. La rencontre, le vivre ensemble, ça se fait, c'est quand même sympa dans la rue, chez son commerçant, quoi. Justement, parlant des commerces de proximité, on a été voir deux d'entre eux, mais avant, je me tourne quand même vers vous, Pierrick Gautreau, parce que, alors, il faut que je le retrouve entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, mais on m'a parlé sur le chat des masques et du gel, et les gens s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vendus sur le marché, parce qu'ils considèrent ça comme des produits de première nécessité, et pourtant, l'autorisation n'y est pas, alors on se questionne. Bah, en fait, il n'est pas autorisé par le préfet. Le préfet a émis des règles. Les règles, c'est que les marchés ne sont ouverts que pour les commerçants alimentaires. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver de masques de gel hydroalcoolique sur le marché. On ne peut pas aller à l'encontre de la décision du préfet, quoi. Mmh. Hein, donc il reste des pharmacies. Éventuellement, des masques que la ville peut continuer à donner. Il nous en reste, hein, donc je le dis. N'hésitez pas à appeler la municipalité pour avoir des masques. On en a et donc contactez-nous, quoi. Très bien. Eh bien, comme j'annonçais tout à l'heure, je vous propose qu'on regarde les images. Nous avons été voir Miss Rachel. Je suis là depuis 1995. C'était super. C'est moi bien maintenant. À cause de Covid, mais même un petit peu avant. Je le vis bien parce que j'ai la santé, mais mal parce qu'on ne fait rien. Et même, on m'a dit que je ne pouvais pas faire mes retouches. Moi, ma tête, ça serait un peu... voilà. On m'a dit de fermer, j'ai fermé. Je ne peux pas me mettre contre la loi. Par contre, il y en a qui sont ouverts, mais pourquoi certains et pas d'autres? C'est ça que je voudrais savoir. Hélène m'a téléphoné un jour en me disant: si tu veux faire une petite vitrine chez moi, t'as un petit portant, tu me mets quelques petites choses, pourquoi pas? Ah, j'ai dit, c'est gentil. Ça fait de la pub en même temps. Ça fait 26 ans que je suis là, il y a des gens qui ne savent pas que j'étais là. J'ai eu une ou deux clientes qui me sont appelées, qui voulaient un pull, qu'ils avaient vu là-bas. J'ai pris le pull ici, il est venu à la porte. Donc je lui ai donné le pull, les deux ou trois masques, et il est parti avec. Et il a payé, évidemment. Je le fais tout discrètement parce que je pensais que je n'avais pas le droit. S'il y a des clientes qui m'appellent pour aller les livrer, j'y vais. Il faudrait que la mairie, oui, la personne qui s'occupe du commerce, qui aille voir les commerçants, qu'on les voit, on ne les voit pas. On ne peut pas tout le temps téléphoner non plus. Et nous, on sait plus que souvent eux, parce qu'on est là tous les jours, du matin au soir. Mais bon, ça fait que 3 ou 4 mois qu'ils sont là. On ne peut pas non plus demander la lune. Bon, alors, là, on y va chez l'opticienne. Bonjour, jeune homme. Vous êtes américaine? Oui. Bonjour. Je reviens. Donc, on va voir ma gentille dame, la opticienne, qui a accepté de me mettre des choses pour faire une vitrine pour moi. Bonjour.
Bonjour. On a parlé de toi, de ta gentillesse pour ma vitrine. Moi, je suis une vitrine. Je n'ai pas le droit de vendre. On a le droit de vendre les masques, mais on n'a pas le droit de vendre ça. Donc, si quelqu'un en veut, eh bien, on peut se permettre d'envoyer. De téléphoner à Rachel pour essayer de récupérer des clients pour pas qu'ils aillent voir trop loin. Pour pas qu'ils aillent sur Internet, surtout. Surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas nous. Comment vous est venue l'idée d'exposer? J'ai vu ça parce qu'il y a une opticienne qui l'a fait dans sa région. Et je me suis dit pourquoi pas. Je trouve ça tout à fait logique et tout à fait normal de pouvoir faire ça. J'ai téléphoné à Rachel, je t'ai téléphoné ou je t'ai vu? Non, tu m'as téléphoné. J'ai téléphoné. Et je suis venue. Et puis elle est venue, voilà, c'est tout. Mais de toute façon, c'est toujours débrouillé tout seul. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu une seule mairie. Que ce soit de gauche ou de droite, j'étais à Paris avant, c'est exactement pareil. Personne ne s'occupe des commerçants. Il faut au moins un minimum de ouais. Nous aider quand on fait quelque chose, même si on ne dit pas que c'est bien, mais qu'on ne tape pas dessus en nous disant que c'est mal. Très bien. Vous vouliez réagir, je crois. J'ai, non. Bah, là, on sent que les commerçants ont besoin de la mairie. Ne serait-ce qu'un besoin moral. Donc, on va répondre à leurs demandes. Nous allons répondre à leurs demandes. Ouais. Très bien. Sur le chat, on a Samy qui dit « Peut-on espérer de tirer notre épingle du jeu avec cette crise Covid ? Rue s'inspire pour redynamiser ses commerçants et ses locaux à l'abandon. » Oui, alors, on ne va pas être démagogique. Hein. Dire que la rue s'inspire et la rue Notre-Dame, voire pour une part la rue de Paris, qui sont... en déshérence depuis des années, justement chic avec le Covid, on va les faire repartir, on prendrait les gens pour des imbéciles. Donc on n'a pas envie de dire ça. On a envie de dire, d'ailleurs on leur permet, parce que ce soit Miss Rachel ou notre amie opticienne de la place du marché, on leur permet de les mettre en évidence, de les montrer. J'ai même envie de dire, allez les voir, cliquez pour ceux qui ne sont pas ouverts comme Miss Rachel, pour qu'elles puissent vendre sur le pas de la porte. Et je préfère encore ça que Amazon, qui est en train de se développer de façon gigantesque vers Bretigny. Donc vous voyez, nous on est plutôt partie prenante de ces commerçants que de grandes surfaces et de se faire livrer par Amazon. Après voilà, Hichem a raison, on peut toujours faire plus. On se disait pendant le reportage que Miss Rachel a quand même été vue par Pierrick Gautreau trois fois depuis que nous sommes élus. Mais il ne s'agit pas de dire que ce qu'on fait c'est bien. Je le dis, on fait déjà beaucoup. On a fait une émission que sur ces questions-là. Il y a des choses à inventer. Et il y avait des questions sur le foncier que payent les commerçants. Et donc, on va étudier la question, voir si on peut alléger dans ce domaine. Et puis, je dis, voilà, il ne peut pas y avoir qu'Internet. Moi, je suis d'accord avec Miss Rachel. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'hôtel de ville est à 300 mètres des commerçantes qu'on vient de voir, 300 mètres à pied, où on peut aller voir le service aussi, aller poser toutes ces questions, aller chercher le réconfort. Et je sais que Pierrick et Hichem ne comptent pas leur temps pour aller visiter les commerçants. Il y en a beaucoup encore à Corbeil-Essonnes. Donc en tout cas, voilà, c'est un message de solidarité. Ce n'est pas qu'une parole en l'air, j'insiste. Moi, je souhaite qu'à l'avenir, au service commerce de l'hôtel de ville, on soit repéré comme un lieu où on peut rencontrer, je l'ai dit, un expert comptable, la chambre de commerce, parce que je suis sûr que ce sont des services qu'on peut avoir à Corbeil-Essonnes sans avoir besoin d'aller à Évry ou ailleurs. Donc, il y a matière à inventer. Voilà, dire que le Covid va nous permettre d'inventer, oui. Dire qu'on va redémarrer la rue Saint-Spire et la rue Notre-Dame grâce au Covid, non. Mais par contre... je le disais ce matin, moi-même habite le centre-ville et j'étais au pressing rue Saint-Spire. Je lui fais de la publicité parce que ce n'est pas facile chez Françoise. On redémarrera le commerce par une politique d'ensemble à Corbeil-Essonnes que nous sommes en train de travailler avec remettre de l'emploi dans le centre-ville. Nous avons un projet sur la place du Comte-Aimont. Nous avons des projets sur le pôle gare. Voilà, il y a une dynamique qui va se travailler dans les années à venir. De sorte que Corbeil-Essonnes redevienne une ville avec son commerce de proximité. J'en profite d'ailleurs pour lancer aussi un appel aux commerçants. Nous n'avons plus depuis des années d'associations de commerçants
digne de ce nom à Corbeil-Essonnes. Et c'est comme pour toute organisation humaine, plus on est organisé, plus on a d'interlocuteurs, plus on peut échanger. Moi, je souhaite qu'on retrouve une grande association de commerçants dans notre ville, avec les, que l'on pourrait subventionner, aider et imaginer des animations commerciales. Voilà. Donc, profitons de cette période peut-être difficile pour s'épauler maintenant et imaginer l'avenir de façon un peu plus souriante. Voilà. Pierre-Yves Gautreau, beaucoup de monde sur le chat parle de pédagogie, de formation sur le port du masque pour les commerçants. Et effectivement, c'est un problème. On n'est pas habitué, malgré le fait que la situation, c'est la même depuis mars. On doit porter un masque, on doit se laver les mains quand on rentre chez un commerçant, on doit respecter les gestes barrières. Là, par exemple, on a un mètre entre nous, hein. Mais c'est vrai que le commerce, c'est un peu notre ami. C'est notre proximité. Donc, c'est vrai que quand on a un masque, on se sent enfermé et on a du mal à garder le masque. Déjà, il fait chaud sous le masque. Il y a plein de désagréments, mais il faut porter ce masque. Et s'il le faut, on continuera à aller voir les commerçants. Il y a 650 commerçants à Corbeil. J'ai dû voir les trois quarts. Je n'ai pas encore fait tous les commerces, parce que je prends le temps avec tous les commerçants. Je prends une heure, des fois j'ai pris deux heures pour un commerçant, parce qu'on a besoin de cette proximité avec les commerçants, et les commerçants ont besoin de cette proximité avec nous. Donc je prends le temps qu'il faut avec chacun des commerçants, et à chaque fois je leur rappelle les mesures barrières. Et moi, quand je vois la solidarité que les commerçants ont entre eux, ben moi ça me fait chaud au cœur. Je vois qu'il y a une solidarité entre les commerçants. Beaucoup de commerçants me parlent de l'association des commerçants qu'il y avait avant. Et du coup, j'en parle à tous les commerçants pour qu'entre eux, il y ait cette nouvelle entité. Il y a également, il faut le savoir, une subvention par la CCI et par l'agglomération qui est prévue lorsqu'il y a une association de commerçants dans une ville. Donc voilà, il ne reste plus qu'à créer cette entité. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de vos échanges? Vous avez dit que vous aviez vu à peu près les trois cas, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ces échanges? Qu'est-ce qu'il en ressort? Beaucoup d'étonnement. Il y a des commerçants qui ne m'attendaient pas. Certains m'ont dit qu'ils étaient là depuis plusieurs décennies et que rarement il y avait un élu qui venait les voir. Moi, je les écoute et puis il y a des choses... Il y a des choses faciles à faire. Il y a une commerçante rue Saint-Spire dont ses clients ne pouvaient plus se garer parce qu'il y avait une ligne jaune. Et avec les services, on a remonté aux informations et en fait, il s'avère que c'était une erreur de l'agglomération. Et bien, on a gommé cette ligne jaune et depuis, la commerçante est contente parce qu'elle peut recevoir ses clients. Il y a une autre commerçante qui était gênée par le marché parce que les camions passaient trop près et des fois, il y avait des désagréments sur sa devanture, on a mis des pots de fleurs pour éviter justement que les camions passent trop près. En fait, il y a toutes ces petites choses que l'on peut faire pour améliorer un petit peu la vie de ces commerçants, que l'on doit remettre en place. Cette communication avec les commerçants est importante. En tout cas, il y a le fameux combat entre centre commercial et petit commerce, hein, on en parlait tout à l'heure. Et par ailleurs, l'idée de l'association des commerçants est très bien accueillie, notamment par la fameuse Lily Gourmandise. Et elle remercie aussi Pierre-Yves Gautreau de venir passer les voir. Donc, elle trouve que c'est une très, très bonne initiative, les échanges, l'écoute, les idées de financement de projets, etc. Donc, c'est très félicité. Alors, on parlait des centres commerciaux, ça tombe bien. Si je ne me trompe pas, on a en ligne Isabelle Lacoux. Elle est directrice de Marc Avenue. Est-ce que vous êtes en ligne, Isabelle? Bonjour, bonsoir, pardon. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Je vous entends bien. Très bien. Alors, comment ça se passe dans ce centre commercial Marc Avenue en ce deuxième confinement? Comment ça se passe pour vous, pour les boutiques? Est-ce que c'est ouvert, fermé? Comment ça fonctionne? Alors, les commerçants se sont mobilisés aussi pour pouvoir, comme les commerçants de centre-ville, de pouvoir mettre en place du click and collect, voire du phone and collect, parce que c'est vrai que le site internet, tout le monde n'a pas accès à des sites internet, donc on permet aux clients d'appeler les boutiques en direct. Les vendeurs peuvent aussi faire de la visioconférence pour montrer des produits et vraiment un accompagnement quand le client sait à peu près ce qu'il veut. Du coup, le vendeur peut montrer par visio
un complément de produit et pouvoir comme ça réussir des ventes pour accompagner et rester et garder ce lien avec les clients. Surtout les clients qui sont, chaque enseigne a des fichiers clients, donc c'est vrai qu'ils ont pu faire des communications en interne, parce que c'est vrai que le click and collect, ça reste un commerce de proximité, et à la dimension d'un centre commercial, c'est la même chose. Très bien. En effet, c'est original, montrer les vêtements à travers un Skype ou un Visio, c'est plutôt original. C'est une bonne adaptation, tout du moins. Est-ce que vous avez peut-être des questions éventuellement à poser sur le plateau? Alors, j'ai pas forcément de questions. C'est vrai que les commerçants, moi, ce que j'apprécie, c'est le travail de la mairie qui met en lien à la fois les commerçants du centre-ville, mais aussi le lien avec le centre commercial Marc Avenue que nous représentons sur Corbeil-Essonnes, qui est un centre qui a une dimension où on a une centaine de boutiques, mais beaucoup de commerçants qui sont... On n'a pas que des grosses enseignes, on a aussi des commerçants qui sont des petits commerçants et qui ont besoin de cet accompagnement. Donc on a des commerçants qui se sont inscrits sur le site également de la mairie, donc j'apprécie beaucoup, c'est vraiment un lien qui est vraiment intéressant et c'est un complément du site internet, des propres marques, parce qu'on a une clientèle, nous, qui est très locale. Écoutez, je me permets de vous saluer, madame, donc Bruno Pirioux, le maire de la ville, parce qu'il aura fallu ce confinement et cette émission, on n'a pas eu l'occasion encore de se rencontrer, et donc on vous invitera peut-être à venir d'ici dans notre bureau avoir un échange. Marc Avenue existe, ça fait partie maintenant de l'aventure de Corbeil-Essonnes, un rayonnement qui va bien au-delà de Corbeil-Essonnes. Hein, les périodes de soldes, vous devez manquer de places de parking, d'ailleurs tant il y a de monde à Marc Avenue. Et l'occasion en direct de dire que voilà, une ville, c'est ça, c'est à la fois, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, c'est que un centre-ville dynamique, ça servira aussi Marc Avenue. Voilà, je ne souhaite pas que on se pense en concurrence, en tout cas, d'autant que vous êtes à Corbeil-Essonnes, mais qu'il y a sûrement à réfléchir en matière urbaine pour que ce centre commercial important, sans boutique à l'extrême, imité de la ville, hein, vous êtes à une des entrées nord de la ville, évidemment, tout près de la Francilienne et de l'autoroute, il y a à réfléchir. Le lien entre cette zone commerciale pour qu'elle ne soit pas qu'une zone commerciale, mais aussi un lieu de vie. Il doit y avoir de la vie municipale dans cette zone commerciale pour que ce soit encore plus agréable pour les clients d'y aller, que ce ne soit pas qu'une zone commerciale. Et il y a à réfléchir aussi le lien avec ce qui peut se passer dans le centre-ville. Donc, je profite de ce direct avec Pierrick et Hichem pour vous donner une invitation à venir nous rencontrer en mairie de Corbeil-Essonnes tout prochainement. Voilà. Avec très bien. Plaisir. Plaisir. Merci. Parfait, le rendez-vous est pris visiblement. Merci beaucoup Isabelle Lacou d'être intervenue ce soir. Le temps pour notre prochaine intervention, j'allais dire, de venir. Je vous laisse peut-être réagir Hichem Boukouba. Ce qu'on remarque, les commerçants, au-delà de l'aspect financier, les commerçants veulent garder ce lien, ce contact avec les clients. C'est pas pour, pour survivre, d'accord, mais ils veulent ce lien permanent, parce qu'un commerçant a besoin d'échanger, c'est son habitude. Du jour au lendemain, il ferme boutique, ne serait-ce que pour une période donnée, une courte période. Un commerçant, je parle autant que commerçant, on se sent tout de suite orphelin de quelque chose. Donc c'est pour ça, au-delà de l'aspect financier, ils veulent, ce qu'on remarque, c'est qu'ils veulent ce contact-là, ce lien qui se coupe pas, voilà. Donc sur le chat, on voit il y a un débat sur le moins cher, le plus cher. Forcément, il y a une différence de prix. Donc certains disent qu'ils vont dans les centres commerciaux vis-à-vis du prix et surtout de la hausse de la pauvreté vis-à-vis du Covid. Donc ça, c'est un petit débat là qui est en train de monter sur le chat. Et quelqu'un demande des transports en commun pour aller vers ce centre commercial. Peut-être une occasion lors de votre rendez-vous d'aborder. C'est clair. Hein. C'est un chantier que nous avons devant nous sur
sur le réseau de bus dans la ville, sur les liaisons douces. Alors ça monte un peu hein, pour aller à Marc Avenue, ça dépend d'où on part, mais il y a des vélos électriques. Je pense que d'ailleurs que notre vendeur de vélos qu'on aime tous, rue Saint-Spire, Giant, qui doit être, je ne sais pas s'il est fermé, ce qu'il fait de la réparation de vélos, il faudra voir, mais qui vend des vélos électriques. En tout cas, voilà, c'est ça que je souhaite travailler avec mes collègues et la représentante de Marc Avenue, c'est qu'il y a un lien à créer. Voilà, Marc Avenue a été créé comme ça, je dirais, sans trop réfléchir, posé là, et ça a d'ailleurs bien contribué, puisqu'on ne l'a pas pensé, à finir de plomber la rue Saint-Spire et la rue Notre-Dame, disons-le, hein, que ça n'a pas aidé. Et du coup, maintenant qu'ils sont là, il y a à réfléchir le lien pour y aller, pour se rendre. Donc, on reviendra vers les habitants qui posent des questions et je propose qu'on n'attende pas Noël pour inviter notre partenaire ici. Je dirais d'ailleurs aussi, avant qu'il y ait d'autres reportages, qu'il y a des restaurants qui sont fermés mais qui font aussi de la vente à emporter. Et donc on a la chance d'avoir encore quelques restaurants à Corbeil-Essonnes, le Saint-Spire, l'Épicure, les Armes de France. Je le dis évidemment, ce n'est pas forcément pour toutes les bourses, mais les plats du coup à emporter qu'ils font sont accessibles. Et c'est un appel à ce qu'on sauve les restaurants à Corbeil-Essonnes en faisant appel à eux, quoi. Voilà. On parlait de Noël. Je crois qu'un petit Noah m'a dit tout à l'heure qu'il était question des sapins de Noël. Je ne sais plus lequel d'entre vous m'en parlait tout à l'heure. Le préfet donc, a autorisé la vente de sapins dès demain, c'est-à-dire que les fleuristes vont pouvoir revenir notamment sur le marché, mais ne vendre que les sapins. Et je sais que la commerçante de la ville a demandé à partir de la semaine prochaine pour vendre ses sapins. Donc, bien entendu, vous allez retrouver vos sapins peut-être dès demain si le commerçant est déjà prêt, mais dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir acheter vos sapins, que ce soit au marché ou directement en boutique chez notre commerçante. Rue de Paris. Rue de Paris. Et Place Saint-Léonard, les deux boutiques oui. Font les sapins. D'accord, très bien. Parfait. Alors, on en parlait tout à l'heure. C'est un commerçant qu'on va prendre en ligne. Il est épicier au Tarteret, plus précisément. Samir Gélade, je crois que nous l'avons en ligne. Bonsoir. 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 Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Je vous entends très bien. Je me présente. Je m'appelle Samir Gélade. Vous m'entendez bien, vous aussi? Oui. Parfait. Voilà. Je suis commerçant depuis plusieurs années. Voilà, je travaille dans le quartier des Tarterets et je suis à votre écoute. Très bien, bah, c'est plutôt nous qui avons des questions à vous poser. Comment ça se passe pour vous à l'épicerie? Comment est-ce que vous faites avec ces histoires de distanciation sociale? Comment vous vous êtes adapté? Comment ça s'est passé pour vous concrètement? Ben moi, par rapport au premier confinement, donc il y a à peu près 6-7 mois en arrière, je me suis adapté par rapport à une distance sociale de 3 mètres. Donc, j'ai équipé plus ou moins ma boutique et bon, parce que je vends exclusivement des fruits et légumes, un peu d'épicerie. Je suis là pour dépanner à 90% la population des Tarterets et puis même des gens de l'extérieur qui viennent me voir, qui me connaissent. Je suis très bien connu à Corbeil-Essonnes et surtout dans le quartier des Tarterets, mon conseil, l'Hermitage. Et par rapport à la distance sociale, je me suis adapté. Bon, ces distances, j'ai fait un périmètre de sécurité par rapport aux produits à peu près à 2 mètres du client. Le client ne touche pas. Bon, ça leur plaît pas beaucoup, mais... Je vous coupe, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus audible par rapport au Facebook. Est-ce que vous avez laissé allumer votre live sur votre ordinateur? Est-ce que vous nous entendez par le biais de votre ordinateur et non par le biais de votre téléphone? Parce qu'on me dit qu'il y a un gros décalage. Non, par le téléphone. Alors, c'est peut-être juste le décalage horaire de la connexion Internet, alors. Sûrement. Très bien, mais je vous laisse poursuivre, pardon. Donc la distance sociale, bon parce que moi à part à 90%, je suis loin des gens, donc je porte pas de masque. Mais au niveau même de la monnaie, bon, je me suis adapté sur un système de barquette.
Donc, le client met la monnaie dans la barquette, les billets sont désinfectés, la monnaie est désinfectée. On s'est habitué, bon, hein, mais j'espère que tout ça, ça va s'enlever hein, dans l'avenir, parce que le confinement et surtout le Covid, c'est pas une bonne idée, quoi. Je pense que les clients m'ont compris. Bon, je suis là, mais surtout pour en parler un petit peu de Corbeil-Essonne, parce que je suis un habitant de Corbeil-Essonne, ça fait exactement 50 ans. Donc, je connais très bien Corbeil-Essonne. J'ai connu beaucoup de systèmes au niveau de la mairie, des systèmes depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec monsieur le maire, nous allons faire du bon travail. Il y a du travail à faire, mais c'est avec le temps qu'il nous faut. C'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau des commerçants qui ont des problèmes au niveau des loyers, au niveau de bon tout ça. Le Covid-19, j'espère que ça va s'enlever, mais il faudrait que même ça vient de beaucoup plus haut du gouvernement qui nous aide pour construire, aménager, pour comme j'ai expliqué moi au monsieur Hichem qui est juste à côté de vous. Je lui ai dit, si vous avez besoin de conseils, que je peux vous aider sur n'importe quel type de niveau de discussion, même au niveau commercial. Bon, c'est pas pour dire que je suis commerçant, mais je pense que je suis un bon commerçant. Tout le monde peut vous le dire ici au Tarteret. Avec plaisir de partager votre expérience de plusieurs années dans le commerce. Avec plaisir. Exactement. Et du coup, Monsieur Gélade, vous êtes plutôt confiant pour l'avenir? Comment vous voyez l'avenir? Vous optimiste, pessimiste? Ah, très confiant. Moi, je suis un homme optimiste. Bon, on a passé quand même. On n'est pas là pour passer du passé. Il faut parler de l'avenir maintenant. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'avenir. Et je pense qu'avec Monsieur le maire et toute son équipe, on va, Inch'Allah, on va réussir à faire du bon travail. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gélade. Merci pour votre intervention. Merci, c'est à moi. Merci. Excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci. À vous. Merci beaucoup et bon courage. Alors, on a eu pas mal de choses sur le chat. On nous dit qu'il y a deux vendeurs de vélos sur Corbeil. Alors, voilà, c'était intéressant à dire puisqu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a un concours d'illumination de Noël, visiblement. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Hélas, il nous reste qu'une minute. Je vous laisse peut-être conclure, monsieur le maire. Non, écoutez, moi je suis content de ce qu'on va engager en matière de commerce. Ça a été un marqueur de notre programme, de vouloir retrouver une ville commerçante, Corbeil-Essonne, deuxième ville du département. J'ai envie de conclure cette émission en saluant, je dirais, Pierrick, 28 ans, c'est ça, tu as 29 maintenant. 29 maintenant. donc un jeune maire adjoint de 29 ans, Hichem, je marquais 34 ans. Et voilà, comme Samir, de commerçant des Tarterets, eh bien voilà, on a de jeunes élus en charge de ces questions importantes sur le développement économique et le commerce. On est là depuis 4 mois, une grande soif de travailler. Et donc voilà, la vie va continuer, elle continue. Retenez bien les numéros de téléphone que nous avons donnés. Je sais que les élus vont continuer à aller à la rencontre des commerçants. Venez nous rencontrer à l'hôtel de ville, à notre service commerce. Et voilà, l'aventure, je dirais, ne fait que commencer. Voilà. Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous et merci pardon à tous ceux du chat d'avoir été si nombreux et si actifs avec vos questions. On tentera d'y répondre au maximum peut-être la semaine prochaine. Donc rendez-vous jeudi prochain, 18h30 sur Facebook. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.